bien manger, Coco. Il y a beaucoup de cannelle, mais c'est bon. C'est pas trop gélatineux et ça fait un peu crème. Aujourd'hui, c'est le milkshake à la banane. Est-ce que vous êtes prêt à rentrer dans un blender? Est-ce que vous êtes prêt à rentrer dans un shaker? Ça va être 45 000 un peu musqué. Vent de face, 20 nœuds d'annoncés. Ça sera du 25-30 nœuds, je pense. En espérant qu'il n'y ait pas de grains. Il n'y a pas autant de vent qu'hier après-midi dans la baie. Enfin, dehors, il va y en avoir. On sort de la baie de Dehaye qui est vraiment super bien protégée par du vent est, sud-est, nord-est. On part avec le jour, le vent. Il est quelle heure? 6h03. Quelques petites bouées à la surface. Ciel bleu. On va de suite toucher le vent à l'extérieur. Et ça va être donc du pré. Je vais faire 3 tours de phoque sur l'enrouleur. Et direction Antigua. On va mettre le curseur au plus près du mât car nous sommes au pré serré. Quelques petits tours dans l'enrouleur. Voici la configuration de Black Lion ce matin. La tête du phoque, elle est quasiment au même niveau que le deuxième riz. Entre le cap soit celui-ci. En direction plein nord et le vent va être nord-est. Ça va pas être du kiki bistouk. 4 nœuds 3, mais nous sommes encore protégés de winch. On reste protégé du lagon de Basse-Terre ici. Je pense que dès qu'on aura passé là, on aura un peu plus de houle et ça reste très très calme pour le moment. Il s'appellerait pas le chapeau des fois, stylo. Au loin, ça moutonne. Les bouées. Ça va, il n'y a pas trop de vent pour l'instant. Olé! C'est le nord de la Guadeloupe. Donc la houle est n'importe comment. Elle arrive du nord, elle arrive à longe le nord de la Guadeloupe. Vous commencez à comprendre en fait ce phénomène. Chez le nord. Et il va falloir 4-5 000 pour sortir de cette houle. Et pour l'instant, on a un bon cap, ça c'est très bien. Et attention à la petite houle. Attention. Non, ça va être pour l'instant. Et on se retrouve dans 5 minutes, les bananes. Attention à la vague, hop, on est de travers et on retombe. Attention à la deuxième vague et on retombe. Oh non, un petit verre. Attends mon cœur, ouais. Ouais, mais parce que là, je vais me couper. Nous traversons les océans, on ne casse pas un verre. Voilà ce qui se passe entre les canaux aux Caraïbes. Pour une des raisons que la jacouille n'aime pas trop le verre à bord du bateau, elle pourrait se blesser en se mettant des morceaux de verre dans le pied ou dans les mains, ça pourrait s'infecter. Du pré sans arrêt, c'est vraiment pas très agréable. Black Lion le fait, heureusement il passe bien les vagues, mais c'est vraiment pas super super. Le vent va encore se lever normalement. 25 nœuds constants, bienvenue dans la mer des Caraïbes. Boum! Il tape un peu aujourd'hui, hein. 4-5 heures où tout peut arriver. La Black Lion, il faudrait qu'il soit assez léger, mais nous autour du monde, on l'a déjà pas mal chargé. Et la bonne nouvelle, c'est que j'ai pas fait de gasoil depuis. Et là, il doit rester, je sais pas, 110 litres de gasoil, alors qu'au total,
On a à peu près 250 plus 80 en tank. On a 330 litres, donc on économise déjà 200 kg. Et en eau, c'est pareil, on a normalement on a 450 litres. Et là, il y a à peine 100 litres. On a 500 kg de moins pour Black Lion et c'est parfait pour faire du pré. Regardez la vague qu'on vient de se prendre. Voilà, j'étais tout seul là, Jacou et Larry, on fait contrepoids. Putain, sauvé de justesse. On n'est pas là à se dire, ouais, je fais du pré, je m'éclate et tout. Moi, j'ai ma petite femme. J'ai mon bateau, j'ai mon bateau, j'ai ma petite femme. Il faut que tout arrive en bon état, surtout mon bateau et ma petite femme. Bah oui, quand même, alors. Mais de long, quand même, c'est confortable. Hein. Ouais. Mais je trouve que sur Black Lion, autant pirate, je ne pouvais pas rentrer à l'intérieur tellement c'était inconfortable. Autant la navigation est mieux. Bah ouais, parce qu'on n'entend pas le vent, on a le mouvement des vagues qui sont complètement différents et on se sent plus en sécurité à l'intérieur qu'à l'extérieur, alors que pirate, c'était le contraire. 6 ans le tour du monde sur pirate. Et je rentrais rarement à l'intérieur en navigation quand c'était musclé. Nouveaux horizons, de nouvelles navigations. Ça bouge. On vient de se prendre une vague sur le pont. Ah putain. Net à 4 nœuds et demi, on a courant fond, rafale des fois à 28 nœuds. Je prends une vague, elle est passée par-dessus Black Lion, regardez. Par-dessus, il va y avoir énormément de courant, ça déferle, il y a des sargasses partout. Donc c'est un signe qu'il y a énormément de courant. Ça vient de se calmer là un petit peu. On est à 18 000 là, au nord de la Guadeloupe. La houle est un peu plus éloignée, ça déferle moins et il y a moins de sargasses. Ce qui démontre une fois de plus que là-bas on était dans un mélange de courants. Et voilà, on s'est pris 2-3 vagues à travers Black Lion. Ça fait du bien quand ça se calme. Et pourtant, c'est pas une super mer, mais par rapport à ce qu'on vient de vivre là, eh ben, on est content. Hein. Des conditions normales de 20 nœuds au pré. Voilà. Regardez par rapport à tout à l'heure, on monte la vague plus doucement. Et on leur descend, on est au pré, voilà, c'est tout à fait normal. Ok, you drop your anchor in waiting of gravity assistance. Correct, sir. Probably. J'ai l'impression d'entendre parler en anglais. J'ai l'impression que c'est moi qui parle sur la VH. Ça fait la moitié. Il y a encore la moitié à tenir. On voulait aller à Barbudas, mais si le vent continue comme ça sur Barbudas, moi je vous ai toujours dit, je vais là où le vent me porte. Voilà, il ne me porte pas, il me pousse dans le nez. 6 nœuds 9 au lock et 5 nœuds 3 au GPS. Nous sommes en train de passer à l'est de Montserrat qui est ici. Il est à peu près à entre 15 et 20 000 sur notre bâbord. Et Antigua est également à 20 000 au nord de la Cayenne. Ça ressouffle aux belles rafales. 21, 25 nœuds, 27, 28. Là, Jaco vient de se réveiller. Je vais faire manger. Quelle traversée. Ça va être calme. Ben mes cadets. Ben mes petits frères. Ça commence bien. Eh ben mes cadets. Eh ben mes petits frères, ça commence bien. Alors, sur quel canal il faut appeler ? La Marine La Veille sur le canal 68. Je dors direct, je sais ce qui se passe. Je pense que ce sont les effets secondaires de l'anesthésie. 3 semaines après, c'est normal. Jacou, il vient d'appeler Coast Guard, quoi, la clé pour la clairance et douane, et il nous a dit de rentrer dans le channel, donc on est en train de rentrer tout doucement dans le channel. Jacou est en train de mettre les défenses, et là les gars qui sont juste devant, là, c'est eux qui nous ont signifié qu'il fallait aller au Yellow Building. Il est où le Yellow Building, bébé? Donc bah, il va falloir faire une petite manœuvre. C'est longtemps que j'ai pas fait de manœuvre, c'est longtemps que je suis pas rentré dans une marina. Sur le ponton jaune, il faut que je mette. On arrive directement au ponton.
On a été accueillis par une personne avec un dinghy qui travaille à la marina. Il nous a dit où aller. Et puis donc on est juste devant donc Customs, Immigration, Port Authority et le Port Health. Tout est au même endroit, c'est super pratique. Ça nous fait penser un peu dans les rivières en Australie. Parce que dans les rivières en Australie, comme ça, il y a des petites des maisons comme ça avec plein de petits pontons. Tu t'es marre ? Tu peux monter ou pas? Par devant. C'est bon? Ils nous ont bien demandé le test PCR, la preuve de vaccination. Faut qu'on y retourne demain parce qu'il y avait un bureau qui est fermé. Tout est gratuit et tout est au même endroit. Par contre, il y a l'air d'avoir du pognon. Tout est propre, clean, quoi. C'est vraiment Australie. Hein. Ça ressemble vraiment à l'Australie. Oui. Je suis en train de gagner vaguement. Non, pas pour longtemps. Nouveau déménagement, nouveau voisin, nouveau paysage, nouvelle coutume. Mais pas nouvelle femme. Et pas nouvelle femme. Ça, c'est bien dommage. Vous avez même elle avait l'air dessus. Pas de nouvelle femme. Mais non, pas de nouvelle femme. Je peux dire nouvel homme, alors. Non, mais c'est toi qui viens de dire la phrase, c'est pas moi. D'habitude, c'est moi qui suis moqueur. Un petit conseil de chef banane. Toujours avoir de l'espèce à bord du bateau. Il nous est arrivé plein de fois où les cartes bleues ne marchaient pas, où il n'y avait pas d'ATM ou un truc comme ça. Donc, toujours avoir un petit peu de dollars ou des euros. Et ça vous permet toujours de trouver des bureaux de change pour pouvoir changer l'argent dans l'argent du pays. Donc ici, je crois que c'est le dollar ici, mais on a des US dollars. Je pense qu'ils acceptent les US dollars avec tous les Américains, les Canadiens qui y a, tout ça. Voilà, US dollars. Toujours en avoir à bord du bateau. Alors, je viens d'apercevoir que la jacouille s'est trompée hier. Elle n'a pas donné la bonne clairance. Mais ils nous ont quand même accepté. La clairance en départ de DE, elle est ici dans ma main gauche. Ben, là, je ne sais pas quelle clairance elle a donné. Voilà. Tout ça m'a dit, mais si, il y avait de la couleur. Mais il y a de la couleur sur tous. Hein. Quelle grosse banane celle-là. Soit on donne notre clairance et puis se dit c'est quoi ce bordel, comment ça se fait qu'ils ont fait ça et tout, puis ça nous amène des problèmes, soit on dit rien. Réponse B, on dit rien. Bah, je pense, puisqu'on a déjà notre clairance. Et voilà, on a notre clairance et puis voilà quoi. Une bêtise de plus à raccrocher au tableau de la jacouille. Comment fait-on pour savoir où on va, où aller, quoi faire, que faire, où faire? De bouche à oreille, on entend des petits trucs, ou alors maintenant avec internet, on sait exactement où aller. Donc là, on a cru comprendre que l'annexe, il fallait la mettre à la marina. Donc on va passer. Là, on était hier pour terminer les papiers du bateau et puis on va aller direction la marina, essayer de trouver un endroit pour l'annexe. Allez. C'est parti. Jeune de la jungle. No more engine. Sorry. Ah, gasoline is finished. Do you want I pull you? In the marina, ok. You drop your anchor in writing of Trinity Assistance, got it sir. Yes. In Europe. Ah, you speak French? Ah. From Germanic? No, Germany. Denmark? Dominique, ah, Dominique, ok. Dominique, ah, Dominica, ok. Yes. Okay. You're welcome. Yeah, yeah. Gasoil, le gallon. Donc le gallon, c'est à peu près 4 litres. Et il me semble que c'est 3 ici, c'est 1 euro. Ça fait 1 euro le litre. Dinghy Dock.
c'était port autorité. Tiens. T'as le masque ? Ça, c'est vraiment une bonne idée quand même. Tout mettre au même endroit avec le ponton pour accoster avec le bateau. Billet 31$. Le cruising permit. Cruising permit is valid for Barbuda also? Yes, okay, thank you. If we go to Barbuda, we don't need to come here. We go to Barbuda and check out in Barbuda. Yeah. Okay. You drop your anchor in writing of Amity Assistance. Nous sommes libres. Nous sommes libres comme un petit poisson. Libre comme un petit oiseau. Nous sommes dans la marina de Joli Harbor, c'est ça, hein. Il y a plusieurs petites marinas. Et on cherche le dock à ponton, le dock à dinghy. Je crois qu'il va pleuvoir. Voilà, les bananes. Bienvenue à Antigua. Donc là, on vous présente les maisons de Donald Trump. Joe Biden, Matt, c'est les maisons blanches. On est à la recherche d'un bus et on va se promener à la capitale. 100 000 ? Ah, c'est pas beaucoup. Non, pas beaucoup, pas beaucoup. Et petit plus, peut-être. Il y a beaucoup de Européens, de Russes. De Russes ? Ah. Oui, des Italiens ? Italiens, de tout le monde qui habite ici. Ah, on a vu. Ah, oui. Canadiens, on a vu. Canadiens aussi, les Cucous. Américains aussi. Qui laissaient ton pays. Et puis ça, cette année-là. Avec les problèmes de la Covid, là, il y a beaucoup de personnes âgées qui viennent acheter des maisons ici. Ah, oui. C'est bien pour l'économie d'Antigua, du coup. Oui, oui, c'est bien, ça va faire venir un peu d'argent pour le pays. Vous parlez bien français, hein ? Un petit peu, oui. Ah bien, ah oui. J'aimerais parler français comme vous parlez, parler anglais comme vous parlez français. Comment ? Qu'est-ce que vous faites ici, comme travail ? Je suis un artiste. Ouais. Artiste. Je suis le premier business ouvert depuis 30 ans. Ah, ah super. Ok. Ah, et c'est bien. Tu fais des peintures. Oui, ça c'est mon tableau, parce que mon tableau est mon beau frère aussi. Et pour prendre le bus pour aller à Saint-Jean, vous allez d'ailleurs là. Oui. Parce qu'il y a le numéro 20. Numéro allez, 20. Retour. D'accord. Voilà. Tu es là tout le temps? Ça fait 30 ans, j'ai ici. 30 ans sur la chaise. Jamais fait un jour, j'ai toujours ici. Tu es toujours là, d'accord. Tout le monde qui vient, lui. Vous êtes ici, toujours de la même place. D'accord. Eh ben, on va te revoir. Comment tu t'appelles ? Louis. Louis. Louis, enchanté. Et moi, c'est Magali et Cyril. Magali et Cyril. Cyril, voilà. C'est Cyrilo en espagnol. Cyrilo. Cyrilo. Italien aussi. Ouais. Cyrilo, bonne journée, Louis. Bah, super. Ouais, un grand plaisir, ok ? Bonne journée. C'est un plaisir également. À bientôt, merci, Louis. Au revoir. Au revoir. On va voir. Ouais. Il expose tout là, dans la galerie. L'artiste Louis, si vous venez le voir en descendant du ponton, et petit verre. Ah oui, petit verre à Rome. C'est trop plaisir d'acheter à ce monsieur Louis, qui parle super bien français. C'est la première rencontre, en plus on descend dans la terre. Et vraiment adorable. On va retirer de l'argent ici. Bon, ça ressemble à un arrêt de bus. Scan the Antiguan Your Island Guide. Les QR codes aussi, ça c'est un truc qui n'existait pas avant. C'est vrai, c'est pas mal. Et ça c'est vraiment bien. Antigua et Barbuda. Allez hop, on scanne. Sorry, we don't have change. 5 km à faire. Donc ça fait 1$ chacun. Hello. Hello. On arrive près des bateaux de croisière. Et c'est bizarre, on est dans un autre monde là. Non mais je rêve.
et à la piscine. Oh, c'est à l'envers, je crois. Je me suis mis à l'envers. Ouais. Là, j'ai les couilles quand t'es fine. Ça fait trop du bien ah, c'est visiter, chouette de revoir visiter. Des nouveautés là. Ah ouais, c'est top. L'impression trop que c'est une éternité que ça nous est pas arrivé. Ah ouais, c'est trop trop bien. On se régale les bananes. Yeah, thank you. Bah, ils sont tous là en fait. Alors là, les bananes, on est vraiment, vraiment dans le coin des bateaux de transport. Donc c'est pas trop ce qu'on recherche nous, mais il en faut pour tout le monde. Non, le truc, il n'y avait personne, mais en fait, ils sont tous groupés au même endroit. C'est dans la ville de Saint John's. Dans la ville même, c'est juste. On s'est dit, bah, ils n'ont pas grand monde, ils n'ont personne et tout, mais en fait, à 500 mètres, y a personne, en fait, tout le monde reste là. Hein. On va vite retourner sur Antigua, parce que là, on n'y est plus. Hein. Oui, ouais. Mais on va retourner dans la ville. That's okay, thank you. C'est vraiment rigolo parce qu'on dirait qu'il y a une barrière électrifiée qui les empêche de sortir. Il n'y a plus personne. Tout le monde est là et en fait on est juste là et là il n'y a plus de touristes. Il y a des casinos partout, des machines à sous, là comme ça. Il y en a tous les coins de rue. Saint-James. Elle a été construite en 1845, pour ceux qui aiment bien l'histoire. Et elle a été construite sur un récif fossilisé à la place de deux anciennes structures détruites respectivement en 1683 et 1745 par des tremblements de terre. C'est peut-être pour ça qu'il y a un paquet de maisons qui sont bancales. Mais vraiment. Hein? En tout cas, les tombes sont très bancales. Ouais, bon, ouais, mais ça, je pense que ce sont les glissements de terrain. Thank you so much. Déjà, il y a plein de snacks qui sont fermés. Et puis, comme on voulait s'asseoir, il y a plein de choses à emporter, mais pas pour s'asseoir. Donc, pour s'asseoir, on a dû prendre snack. Nourriture locale. Ouais. Il faut quand même faire attention parce que il y a les dollars ici et les dollars US. On a demandé. Ne dit ici. C'est en quoi? Ici, il a dit oui ici. Et quand il nous a apporté la facture, il nous l'amène en dollars. Il nous dit 28 dollars. Et il voit qu'on sort les billets en ici. Ah, il dit, ah, non, non. Parce que comme les touristes, ils viennent manger là. Ils payent en dollars US. Et voilà. Et en fait, on vient de faire la conversion. Donc on a payé en ici. Et bien, ils demandent 7 dollars de plus US. Et oui. Par rapport au ici. C'est 6 euros supplémentaires. Donc, et du coup, il était surpris qu'on paye en ici. Parce que tous les touristes descendent du bateau avec des dollars US. Là, j'ai couillé dans une mercerie pour acheter du tissu pour faire des pavillons. J'aime bien. La petite dame est en train de découper à 3 euros le mètre. Il y a plein de musique française. Ça. Hello, for Jolly Harbor? Yes, okay, for two persons? Yeah, baby? Hello. Il y a un peu de tout quand même. Hein. Ah, il y a des fruits et légumes. Voyons les fruits.
Bermuda, ça fait 7 euros. Non, c'est très cher. C'est très très cher. Bienvenue au paradis du Rhum. J'aime bien ce pays. Je vais passer par là, par le boardwalk. Choisissez, on va faire le tour des locaux des propriétaires. Un shipyard. Chaque maison a ses treuils pour lever son bateau, mais ce ne sont pas des petits bateaux à moteur. Ce sont des voiliers, des gros yachts, et il y a même un lift qui peut lever un catamaran. Je vais vous montrer ça là-bas. Mais là, on sent carrément un cata, là. Quoi, la planche qui est au milieu, là? Bah voilà. Là, c'est mis pour un monocoque, mais... Alors ici, c'est limité à 5 nœuds, là, dans les waterways. Et quand il y en a qui dépassent ces 5 nœuds... Une alarme qui se met en route. Une grosse alarme et c'est marqué 5 knots. Il y a une voix qui parle comme ça, 5 knots. Donc il y a un radar avec une voix qui parle en automatique. Je sais pas où c'est, je sais pas si c'est pas on ça là. Pas à trouver on n'arrive pas à voir où c'est. Mais jusqu'à maintenant, il y a des jet skis, des gros bateaux moteurs qui sont passés. Et au début, j'étais surpris, ça fait une sirène donc de police. Et j'entends 5 knots. English Harbor. Un bon petit thé d'Antigua. De 5 ans d'âge, il est réputé pour être très très bon. Et dans mon petit verre que j'ai acheté à Louis aujourd'hui, gentil Louis, hein, 66 ans, pas si bon que ça a priori. Je goûte avec vous. Il n'est pas liquoreux. Il n'est pas liquoreux. C'est pas un alcool de femme, c'est un alcool de marin. Oui, bon, ok, allez, défoncez-moi la gueule. Ça a de la cuisse. Il laisse un bon goût dans la bouche. Mais il n'est pas aussi liquoreux. Ça a de l'arôme. Mais il n'est pas liquoreux. La dame du shrub. Voilà. Le shrub, hein, c'est sucré et tout. Non, il est très très bon. Il est très très bon. Honneur à vous, à ceux qui viennent nous voir sur Black Lion, je vous ferai goûter Antigua. Oh, il a un free boy. Ah, mais non, c'est pas clair. Ah, c'est drôle. La jacouille, coraco, coraco. La jacouille. La jacouille, coraco, casse les couilles. La jacouille, casse les couilles. Je vais regretter qu'elle puisse aller. Ah là là, arrête. Tu viens de le ressusciter. J'étais même pas embêtée. C'est la fille cachée de Jésus. J'étais même pas embêtée. Jésus a fauté. Hein? Hein? J'étais pas embêtée. Jésus a fauté, il a sa fille cachée. Allez, je vais encore avoir des problèmes. Alors, ce matin, nous quittons Joly Harbor et nous allons vers le sud, mon amour, déjà, je te dis. Nous allons vers le sud. Il y a Maurice Bay. Il y a Maurice Bay. I go to... On a une histoire. Et s'il regarde la vidéo, je ne citerai pas son nom. On était en Australie. Et les gardes-côtes là-bas en Australie, ils survolent en avion. Mais les avions, c'est supercoptère. C'est un truc, c'est... Tout. Ils ont des caméras énormes. Et ils surveillent sans arrêt les bateaux qui longeraient leurs côtes. Et on s'est fait contrôler 3-4 fois par avion, on nous a pas la VHF. Il y a d'autres histoires à leur raconter. Et une petite anecdote un petit peu coquine. C'est la question co, la question coquine. C'est la fameuse question coquine. Et donc du coup, on allait à un îlot, c'était Morris Island, comme là, M-O-2-R-I-S. Donc ça doit être un ancien navigateur anglo-saxon, un truc comme ça, hein, Morris. Et il y avait un bateau qui nous suivait et il parlait pas du tout anglais. Alors nous, on parle pas très bien, mais lui, il... Vraiment pas. Et voilà. Et les Français, quand ils parlent à VHF. Et donc, le gars, il appelle sur la VHF, il a l'accent australien en plus. Ok, you drop your anchor in waiting of Amity Anticel, Scotland, Sir. Et puis, il fait Hello, this is. Il dit le nom du bateau. Du bateau. On va pas citer. This is the bateau, machin. I go to Hilo Maurice. I go to Hilo Maurice. C'est un truc, ça m'a toujours éclaté. Allez, I go to Maurice Island. I go to Hilo Maurice. Donc là, il y a Maurice Bay. Et en plus, les Australiens ne lui disaient pas du tout ça. Ils demandaient de s'identifier. Ouais. Et il répétait. I go to Hilo Maurice. Étape numéro 1 d'Antigua, Freeman Bay. I'm a free man, I'm a free man. J'ai la flemme de mettre la AGV, je vais aller mettre la AGV. Allez, à la découverte d'Antigua sur la trace des pirates. Coucou.
c'était un mouillage incroyable. Un mètre d'eau, mieux que certaines marinas. Ça ne bougeait pas du tout. Un petit plaisir. Nous allons ici, Freeman Bay. I'm a freeman. I'm a freeland. Et on va naviguer comme dans un espèce de petit lagon. Ça a l'air très agréable, dans à peine 3 mètres d'eau. Donc c'est assez surprenant au départ, hein. Ça fait un peu flipper. Et ça nous fait un petit entraînement pour les Bahamas, puisqu'à priori les Bahamas, voilà, on navigue dans moins d'un mètre. À Bordeaux, on fait souvent ça, quoi. On naviguait des milles et des milles dans un mètre d'eau. Il y a des fois 50 cm sous la quille, bah, je peux vous dire que vous regardez le sondeur droit dans les yeux et vous dites c'est pas possible, ça va augmenter et ça n'augmente jamais. Évidemment, on voit super bien le fond. C'est du sable. Mes lunettes, ok quoi. Moi j'ai deux paires de lunettes parce que je suis le capitaine. Comme si qu'il allait mettre deux paires de lunettes sur le nez en même temps. C'est une de secours. Eh ben j'ai perdu les miennes, tu peux bien prêter les tiennes. Une fois de plus, ça fait je sais pas combien de paires qu'elle perd. Non mais c'est bon. Ouais, c'est des bizarre, ça fait combien de paires qu'elle perd. Non mais wow. Oh, lui il se prend des lunettes à 200 balles et puis moi j'ai des lunettes à 10 balles. Ah bah heureusement, elle en perd 5 par mois. Alors je veux dire, ça fait 1000 euros le mois. 5 par mois, non. Oh, excuse-moi, 4. Mais je rêve, non, mais alors, mais qu'est-ce qui t'est mauvais? C'est moi je ne rêve pas, j'ai le cauchemar. Il m'énerve, il arrête pas d'en rajouter. Vous voyez, on la retrouve la jacouille, on la retrouve, hein. Ah, pour faire chier son monde à ses fers, hein. On navigue comme dans un lagon, à droite il y a le récif, avec les vagues qui s'écrasent dessus, et à gauche, il y a la terre. Only in my life, not much has changed. I don't feel these civil rights. Fine words and speeches. De face, j'ai baissé les voiles, j'y vais au moteur parce qu'il ne reste que 5000 à faire et là il y a un grain qui arrive devant. But I'm a free man. No, I'm a free man. I'm a free man. Il y a des fois il faut se gagner le petit paradis, le vent est de nord-est donc on part de l'autre côté, côte au vent d'Antigua. Et on a une houle très très courte avec beaucoup de vent. Et Black Cayenne fait du rodéo dans les vagues. J'ai fait une erreur, j'aurais dû passer par le nord d'Antigua et non par le sud. Comme la dominance du vent est nord-est, j'ai l'impression que je vais l'avoir avec tout le long. Alors si je passais par le nord, j'aurais été portant. Et là, je vais être de face quasiment tout le temps. Alors bah là, il nous reste de 2,7 miles. Et je me demande si demain je ne suis pas fatigué. C'est pas super agréable. Regardez comment c'est. Et en plus je fais du moteur, la cléone tape dans les vagues de face. Je crois que si on avance 4 3 nœuds, là, je suis sur un moteur. Oui, j'allume l'autre moteur pour la première pierre. Grosse erreur de ma part. Pas les yachts de luxe qu'il y a quoi. C'est ouais, c'est délire. Si je me mets sur le côté là-bas, derrière le zèbre, hein, c'est un peu la galère pour trouver une place là, ici là. Et en fait, le Dream Yacht s'en va juste devant et on aura une place tout seul. Et là, on va être super bien. On va être très très bien parce que il faudrait pas taper dans un Américain. On a un ami qui a exactement le même bateau que nous, qui disait que dans les années 80, il était le seul catamaran ici à Antigua. Je peux te dire, mon ami Pew, ça a bien changé. On
a galéré un peu pour trouver une place parce qu'il y a des bateaux, mais je vous dis, on n'a pas intérêt à déraper et taper dans, chez les Américains. Nous sommes ici. Et tout à l'heure, on va aller se promener par là-bas, cet après-midi. Et j'ai tourné comme ça pour essayer de me trouver une petite place de mouillage. Et je pense que là-bas, il y a des super yachts. Par sécurité, je vais aller voir l'ancre. Je sais pas si c'est vraiment très clair parce que j'ai vu un catamaran de snorkeling. Bah, je sais pas, il fait tout du snorkeling. Donc il promène les touristes là, mais ça a l'air d'être vert. Deux poulpes avec deux winches, deux gros poulpes énormes, donc c'est réserve et belle surprise. Donc je me demandais pourquoi ils allaient là-bas parce que c'est pas très clair. Deux épaves. Alors tu le dis aux bananes et moi tu me dis que c'était pas vrai. Non, j'ai pas dit ça. Je t'ai dit, c'était génial. Il venait pas dans un mètre d'eau et tu m'as dit c'est pas vrai. Et je dis, bah tu verras, tu auras qu'à t'abonner à ta chaîne, à la chaîne Black Lion, tu verras si c'est vrai ou pas. Parce que là, tu peux pas congeler. Non, mais oh, il m'énerve. Tout ça, c'est Betty Woman. Quality Bandit Street. Betty Woman. Quality Street. Alors, pendant que je plongeais, à un moment, j'entends des bruits. Je me suis dit, il y a un moteur qui arrive, mais il y a plein de bruits comme ça, soit. Alors que j'étais tout seul à l'épave, je me suis retrouvé avec 30 touristes, avec les, pas des scooters des mers, là, c'est des trucs aquatiques, c'est un nom, je sais plus comment ça s'appelle ces trucs là. Les trucs sous l'eau, là, vous savez, il y a comme James Bond, et ici ils font des sorties avec ça, des trucs électriques sous l'eau, ils vont aux épaves avec ça. J'ai enfilé ma belle armure, la conquête sera périlleuse. Sur une mer qui se déchaîne, j'ai dû résister aux sirènes pour atteindre ma terre promise. Et rien que les pare-battes, ça vaut le coup. Il y en a, même les t-shirts sont pas aussi propres que ça. Il y en a au moins, rien que les trois pare-battages, il y en a au moins pour 5000 balles. Regardez-moi la qualité de ce velours.
vois bien le style en fait français quand on était en Martinique et en Guadeloupe. Et ce style anglo-saxon en fait. Ouais, hein, c'est complètement différent. Après, il y a un petit marché artisanal à l'extérieur. Hello. Hello. La monnaie là. Vous avez vu tous ces bateaux, incroyable. Bateaux de fou, des voitures de fou. Bon, c'est pas pour nous. Hein. C'est beau pour les yeux, mais voilà, on n'en ferait rien d'un bateau comme ça. Non. On est bien avec mon petit Black Lion. Ouais, il est très bien notre mec. Les bananes, non, là je rigole. Alors tout à l'heure on a une discussion, une petite dispute. Arrêtez. Arrêtez, voilà. Elle sait qu'elle a tort. La petite discussion de tout à l'heure. Pretty woman, elle achète pour elle, on est d'accord. Ouais. C'est sac, chaussures. Tout à l'heure je disais, faut faire un peu attention quand même à l'argent et tout. Et là, on regarde des trucs pour le bateau. Mais ouais, c'est pas Pretty Woman quand c'est pour le bateau. On a une petite discussion un peu houleuse. Et donc je n'arrête pas de lui dire que c'est Pretty Woman et ça énerve. Et là on rentre dans le magasin Budget, ici il y a un magasin Budget. Et vous savez quoi? Elle voulait s'en sortir pour 512€ de siège. De siège pour Black Lion, parce qu'en haut, vous savez, on n'a plus nos poufs. Et bien à ce moment-là, on ne prend pas pour toi, on prend que pour moi. Comme ça, je fais Pretty Woman et pas toi. Bah c'est ça, ouais. Voilà. Ah là là, ouais. Là. C'est ça. Ah ouais, là, non mais l'autre, comment retour là. C'est trop facile, on va sous la gueule du monde. Mais c'est ça qu'il faut qu'elle me flatte avant c'est Budget. C'est des fauteuils. Excuse-moi, c'est pas des seins, c'est des fauteuils. Donc faut que tu me flattes avant Budget et peut-être que tu auras tes coussins. Hein. Ça sera ton cadeau Noël. Et donc qu'est-ce qu'on fait? T'en as pas pour toi, c'est que mon cadeau. Ah mais attends, c'est toi qui veux. Bon d'accord, donc, ok, bah t'en prends qu'un. Ok, t'en prends qu'un. Ok. Bon, voir ton petit rhum et tout. Comme ça, c'est un vraiment petit woman toute seule sur ton siège. Voilà. Voilà. Bah alors si c'est ton cadeau de Noël, c'est le tien aussi alors. Ah non. Vas-y, bah, si, hein, non. Chacun. Et moi j'ai envie une GoPro, attends, ça m'a coûté une fortune de trou du cul déjà. 100 mètres de Budget. Oui, mais vous rendez compte quand on va pouvoir vous faire vos petites vidéos en prenant le petit rhum assis sur nos petits sièges en haut. Et en plus, on s'achète jamais rien. En plus, c'est vrai. Ah, tu avoues que j'achète jamais rien en plus. Alors, il avoue quoi. Non, mais l'autre Pretty Woman. Non, chante-moi la chanson Pretty Woman. Tu dis Pretty Woman, je suis une Pretty Woman. Pretty Woman, she's in Pretty Woman. Non, mais elle est prête à tout. Non, je veux dire, elle est prête à tout. Je suis un gros rat, jamais je lâcherai. Je suis un radin. Le roi des radins, c'est moi. Comme la porte de Budget Marine. Il faut une discount. On va aller voir la discount. Un cœur choupi. Ah bah oui, mais je suis pas bête aussi. J'ai regardé sur internet le prix. Évidemment, je suis pas bête aussi. Ça, c'est drôle. Et j'ai regardé sur internet. Ça coûte combien sur internet? 150€. Ici, 258€. Hein. Voilà. Donc, voilà. Je suis pas bête non plus, hein, les bananes. Hein. Pas bête aussi, pas bête non plus. Mais non, mais on va trouver. Calme-toi. Et on a demandé aussi les poufs, on a trouvé des poufs, mais 250$. Ce qu'on avait auparavant, c'était 50 US$, ceux qui étaient dehors. Oui, c'est cher. Bon. On n'a pas dépensé de sous. Alors, je suis un rat. Un bâtard rat. Mais non, c'est un bâtard rat. Mais non, mais en plus, ça serait ridicule de dépenser des sous en plus. C'est bon, elle est redescendue. Elle est redescendue de pression, c'est bon. Non, mais en plus, il croit que je suis impulsive et acheteuse compulsive. Alors que ce n'est pas vrai du tout. Si, si, Pretty Woman. Mais ça fait combien de temps que je ne me suis pas acheté un truc et pour moi? Menteuse. Ah, les tortues, elles viennent sortir juste là. C'est longtemps que je n'ai pas remonté la neige, ça. Ouais, oui. Ah, pour s'acheter des trucs qui coûtent une fortune. Il y a les yachts, ils viennent de sonner là. Je crois qu'ils annoncent la happy hour. C'est la happy hour, c'est l'heure du rhum. Bon, je vais pas les décevoir. Bon, on donne notre avis, même si toi tu t'en fous, toi qui es derrière ton écran. Oui, toi tu t'es reconnu. Comme dit ma jacouille, ça casse pas des briques. Non, je dis ça casse pas des cacahuètes. C'est intéressant à voir, mais pour l'instant ça casse pas des cacahuètes. Non, c'est vraiment un monde à part. Voilà, nous, notre petit Black Lion, notre petite vie comme ça tranquille. Ces bateaux-là, on les voit nulle part ailleurs dans le monde, quoi. C'est-à-dire que c'est sur des endroits comme ça, dans des destinations. Un compte.